Et plop les gens, de retour sur Basement. On est à la mission suivante, donc on sait faire le white ou le blue. Et du coup, Tupo nous a donné rendez-vous au prochain niveau, donc on y est. On y est. Tupo, à la maison de Tupo. Turf, je sais pas trop. J'ai attendu ce moment pendant si longtemps. L'heure fatidique arrive. On va tout lui prendre. On va le buter. À l'assaut! Ouais. C'est marrant, mais j'ai. Clique, toi, tac, tu peux te biner. Ah! Quoi? Ok. Ouais, vous avez pas assez de cerveau pour rester loin. Bien bien. Et vous ne pourrez quand même pas m'attraper. Toute la zone est à moi. Donc bonne vie. Kenny, tu peux dégager. C'est dégarpi. Ouais, t'essaies encore d'échapper, espèce de flippette. Cette fois, ça marchera pas. Te trouvera quand même. Ouais, comme tu dis. Au fait, je serai dans une armurerie personnelle. Vous restez là et amusez-vous bien. En ce temps, Je ferai gaffe à ce que tous les gardes soient bien armés. À plus. Hey, attends, mais Gunther, tu dois capturer le magasin de Tupo. Celui-là? Ouais. Là, faut tout lui prendre, donc autant aller de droite à gauche. Ça, je peux rien faire pour le moment. Ici, il y a un peu de prod, un peu de vente. Il y a un peu de tout, quoi. Le magasin de voitures et la concession est sous contrôle. Kenter, doit aller sur Tupo et aller dans son magasin de flingues. Oui, mais je m'en fous, non? C'est où l'entrée? C'est là. Ça okay. Il y en a un qui a fait un bad trip, il en est instantanément mort. Je suppose qu'il... Ouais, d'accord. On ne peut attaquer qu'ici et on va voir. On va voir qu'il ait des mitrailleuses et tout, je ne sais quoi. Ah, il y a Sid. Une œuf qui lui ressemble. Moi j'attends qu'il m'attaque et après j'envoie tout le monde. Enfin tout le monde, j'envoie un gars. Celui qui a le moins de vie, genre lui. À moins que. Deux travailleurs sont morts. Deux employés sont morts. Toi t'as 13 PV. À l'assaut! Peut-être plus l'envoyer direct du coup. Et ici aussi.
Un autre producteur, mais de façon... Wow, vous êtes déjà là? Ok, je vais vous laisser sur la conscience de mes gardes. Je pense que je vais aller au motor show, puisque vous savez. Ah bah là c'est beaucoup mieux. Je pense qu'on peut envoyer l'armée à chaque fois en fait et ça suffirait. C'est vrai qu'ici on aurait pu peut-être acheter des armes du coup. Je pensais que ça allait plutôt plutôt faire en mode ah j'ai une super méga arme, il va falloir que tu fasses ceci et cela avant. Ah, il se fait attaquer dans le dos en même temps. Ça, c'est pas cool. Ah, qu'importe, j'irai juste me cacher chez Hui Xiao, dans le resto de Hui Xiao. Hop, hop, hop. On y est, le tupo moteur chaud. Ou plutôt notre moteur chaud. C'est cool quoi. Regarde, il y a même de la moquette dans le garage, c'est trop cool. Ouais, c'est cool la moquette. Maintenant, on va se faire tubo. Ouais. Mais... on a appris à quoi ressemble le niveau quoi, comme d'hab. Ouais. Il y a lui qui se régène. Ah mais c'est... bah c'est Tupo en fait. Ici, salle de soins intensifs.
ici, ça, ici, ça. Maintenant, si on améliore. Non. Un mort, deux morts. Quoi ? Vas-y, tu es Kenny. Ah punaise. J'avais oublié que j'avais commencé et je me suis arrêté en plein milieu. De tous les mettre là pour pouvoir accueillir en un coup de poing tout le monde. Du coup, on peut prendre un producteur de plus. On est d'accord qu'on n'a pas de vendeur qui glande. On est d'accord, mais on a vu que Gunter ne foutait rien. Donc c'est réparé. Voilà. Maintenant, on équipe nos soldats avec ce qu'on a. On laisse tout le monde se soigner tranquillement. On n'est pas pressé. D'ailleurs, on va prendre ce camion. Tous les soldats sont soignés. Bon, c'était qui au magasin? Ça va être mieux de mettre un truc de soin à chaque fois plutôt que de les faire revenir à chaque fois, mais s'il nous fait un zigzag pour finir ici, ça va être relou. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le thème de la mission. Le resto, il est là. Évidemment, 5 personnes. Oh là là. Parfait. Ouais. De toute façon, j'ai pas de green. Merde, il s'est échappé. Si j'allais aller à mon propre chapeau de véhicule. Je t'aurais, tu m'entends? Et regarde ce pack d'armes qui est oublié. Ouh. Mais montez les gars! Ok, Ah ouais, il y a un paquet d'armes et pas mal de fusils d'assaut. On va leur donner des fusils d'assaut parce que même si je les appelais des miniguns,
Ça m'a l'air d'être plus ou moins la meilleure arme du jeu. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Et on a ça. Donc c'est bon, ils nous ont donné pas mal d'armes. Ah, il y a deux... Ok, tant pis. On a trouvé quelques armes, effectivement. Que tout le monde soit soigné, hein, tant qu'à faire. Ici, de façon, lancer de la prod ou de la vente, on est trop serré. Donc c'est marrant. Là il y a le bus qui va arriver, qui devrait tout ramener. Non, pas tout. Mais... D'accord, il a pris du verre, super. Du coup, on va produire plus. Et on va produire vert aussi, parce que... parce que c'est tout simplement le truc qui nous permettra de soigner. Deux pour le moment, c'est parfait. Ok, ça va aller plus vite maintenant qu'on a des mitrailleuses. Ça, on peut vendre là. Oh, il y a déjà une salle. Ok, du coup, le scooter est à nous. Très bien. Ok, il nous attaque ici, donc on envoie tout le monde pour protéger. On gardera peut-être juste, j'allais dire, un ou deux gars avec une batte de baseball et une mitrailleuse, ou deux. Ça fera 4 personnes, ça fait beaucoup 4 personnes. Peut-être deux mitrailleuses et une batte de baseball, et en 4, comme ça ils vont venir à 6 et normalement. On sera protégé. Alors, batte de baseball. Oh punaise. Ce fut sanglant. Alors ici, j'ai dit que c'était loin. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas... Justement... En profiter pour mettre des trucs qui marchent pour tout le de tous les bâtiments. Ok, maintenant on embauche Clifford.
Ici. Ouais, ça serait bien d'avoir une deuxième. Hôpital. Bon, les trois corps à corps et celui-là qui est une mitrailleuse comme elle est. D'ailleurs, c'est quoi les différences de stats? Mais au moins elle est différenciable. Damage 80. Non. Dommage 2. Distance 1,5. 6,6 fois par seconde. Ah, celle-là elle est beaucoup plus lente, mais tire de plus loin et fait plus de dégâts. On va essayer de se souvenir de du nom du gars qu'on choisit de laisser ici. Du coup, c'est ici qu'il faut aller. Hein. Umberto et Gênes. Bertogène, Samuel et Otto. Voilà les gars qui vont nous qui vont rester à la maison. Du coup. Ici ça peut être de la vente, c'est pas trop mal. Ça on pourrait vendre pour faire plus de prod hein, bien sûr. À m'ennuyer les gars. Oui, c'est même pas un gars, quelqu'un manger en paix. Ok, ah, c'est le moment de visiter la gym de toute façon, enfin la salle de sport de toute façon. On peut venir ici, oui. Cool, on a capturé la place pour bouffer de Huygdiaos. Regarde, il y a quelques salles de vente avancées. Et une boîte à donuts. Oh mince, attrape-en un pour moi. Et attrapons ce tupo. Donc là, il y a des salles de vente avancées, effectivement. Donc ici c'est de la vente, c'est sûr. Hop, on va embaucher deux personnes. Voilà. Ah, il y a Bleu qui vient, au secours. Qu'est-ce qu'il me veut Bleu? On va vendre ceci. Ça se trouve, il y a encore genre 3 missions pour des nouvelles upgrades. 3 missions pour comment ça s'appelle, pour finir la quête avec un investisseur hein. On ne sait pas, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait plus loin qu'ici, parce que ça ferait des nouveaux gangs et tout, ce serait bizarre. Peut-être un gang bleu hein, mais ce serait un peu étrange. Ouais, bonjour et bien bonjour.
surprise qui n'était pas compréhensible quand je vous ai dit. Asseyez-vous en silence dans votre cave. Vous avez besoin de quelque chose? Mais ceci n'est pas de vos affaires. Dégagez. Désolé de vous dire que c'est précisément mes affaires. Vous avez déjà pris un de mes partenaires d'affaires hors service. Vous l'avez déjà mis hors service. Vous allez devoir prendre des décisions. J'ai besoin de tupo vivant. Vous êtes dans le chemin de mes affaires. Mettez-vous hors de ce chemin et je ne vous vois plus jamais. Est-ce qu'on s'est compris? Ouais, dégage, je n'abandonnerai jamais, Tupo va crever. Donc, je vais devoir vous éliminer. On dirait que mon armée attend toujours de se remplir. Quoi? Regardez vers mes robots. Il fut un temps, c'était de simples idiots, juste comme vous. Et après, ils m'ont dû beaucoup d'argent, et maintenant, ils minent des bitcoins pour moi. Et des fois, ils font tout ce que je leur demande, mais... Ok. Oh, mais pourquoi ruiner la surprise? Bientôt vous les rejoindrez et après vous comprendrez. Vous comprendrez tout, personnellement. Vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre, donc... je vous laisse creuser vos propres tombes dans votre cave pour le moment. Ouais. Ok. Étrange. Ah, du coup, ça recommence. Non, pas du début, c'est bon. Tac. Tac. Non, en fait, il faut juste avancer, quoi. Est-ce qu'on a... On a des pistolets. On a des pistolets. Kenny, pistolet. Hunter. Pistolet. Toi, t'as le droit à ça. Et ça, ça va se produire dès que je vais prendre le resto ici. Qui vont attaquer, donc il y a peut-être d'autres missions après, hein, contre un gang de robots, mais normalement j'ai l'impression quand même qu'ils laissent les autres faire le sale boulot pour eux quand même. Voyons donc. Après, de toute façon je peux pas attaquer les bâtiments qui me proposent pas d'attaquer, donc d'un côté, je suis un peu fichu, quoi. À ce niveau-là. Par contre, on a mis celle de vente ici.
Donc on va faire le voyage avec, avec tout le monde. Ah non, on fait le voyage juste avec les combattants et dès qu'on voit que le bleu est censé arriver, on envoie tout le monde. Ah il kite. Il reste quasiment rien. Ici on pourrait faire de la vente, j'avais dit, on pourrait faire de la prod, mais bon, s'il faut que je me déplace avec tout, autant prendre cet endroit où il y a déjà de la... déjà deux endroits de vente. Ici il n'a l'air de rien avoir. Salle d'entraînement. Ah, des salles d'entraînement, ça peut être cool. Mais on ne nous laissera pas le loisir de rester. Ensuite, ici on peut rien faire d'intéressant. Là c'est clairement pour faire de la prodadon à fond. Ici la prod est déjà prête, hein, mais les deux peuvent être plus ou moins utilisés pour ça. Ici théoriquement si on arrive là je pense que c'est la fin. Mais il y a beaucoup de dollars et cette mission elle nous donne à chaque fois de l'argent petit à petit. Ah, si on gagne des sous quand même, on voit. Je ne regardais pas au bon endroit. Du coup, vu qu'ils vont prendre ce bâtiment, ça sert à rien que j'améliore plus. On envoie tous les combattants. Ok. Là, il n'y a rien, ok. Ici, il y a déjà un... Mince. Il y a déjà ça. Ici, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus, oui. On a dit que ça donnait de la productivité, oui très bien. Mais... Et ça fait pas avancer l'histoire. S'il te plaît, reprends cet endroit tout de suite. Ça fait avancer l'histoire, bon, tant pis. Ah si, ça fait quand même avancer l'histoire, tant pis. Qui est mort, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus. Ici, quoique non. Attendez, il attaque un bâtiment qui me sert à rien. Ok, c'était un mauvais aléatoire, pas de chance. Je
acheter deux vendeurs. Et du coup, on va pouvoir voir si il. S'ils se cassent par exemple une fois qu'ils ont fini ou pas. Et mince. Hop, hop, hop. Ah ouais, vous avez tellement de retard. Ça va pas le faire. Hein. Très bien. On n'a pas pu voir du coup. Pistolet, non? Oui. Et Kenny, je suppose qu'il joue effectivement. Non. Hop, et toi? Tant qu'à faire et une productivité améliorée. Toi, vraiment en priorité du bleu, sinon on va le stocker pas grand chose. Le green, de toute façon. Il est plus là pour notre conso perso que pour le vendre. Qu'il vaut mieux éviter le combat plus ou moins quoi qu'il arrive et voilà tout simplement éviter le combat. On va y mettre un canapé. Un bon canapé. On ralentit un peu le temps parce qu'on a le temps. Il continue de se plaindre. Toi, t'es quasi mort. Voilà, prends un peu de green. Wow.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Beaucoup qui étaient dans le jaune que j'ai pas spécialement biberonné. C'est bon. Ah mince, venez là les soldats, sinon vous allez tous crever. Ouais, 9 tout net. Pas non plus énorme. Eux ils sont, ils restent nombreux. Eux doivent se soigner avant toute autre chose. Ils vont là-bas avec une équipe de 7, mais ça ne me dérange pas. Ils vont ici à 2. Ça me dérange et pas à la fois. Ok, ils sont pas imbutables. Ici on peut avoir de la vente, mais compliqué. D'électricité. On embauche quelqu'un, on ne peut pas. On se fait la salle de sport du coup. Avec tout le monde. Mais vous avez aucune conscience. C'était le seul endroit où je pouvais être tout seul, sans femme. Et après, vous venez là. Vous me fatiguez. Je suis transpirant.
Je retourne à mon magasin pour me changer. Ne soyez pas timide, mes gars vont s'occuper de vous. Tout ce que vous voulez. Et il est temps pour moi de vous dire au revoir. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de crever? Il y en a deux qui ont l'air d'avoir perdu quelques PV, mais ça va. Ça va. Et c'est cool d'avoir une gym, hein, Kenny. Regarde, il y a un gros stock de bouquins sur l'éducation physique. Ça pourrait être intéressant pour nos combattants. Ce serait cool que tu les regardes aussi. Hein. Dans tous les cas, allons se faire tupo. Là, c'est cool de les avoir. Attaque ici, j'ai aucun souci avec ça. Ici, je pourrais en faire un endroit de prod. Hein. Mais en soi. Non. Sans vent parce qu'au pire on est là. On peut faire de la vente ici, on peut faire de la prod sinon. Ou on peut juste garder en mode sport. On peut garder juste en mode sport. C'est une bibliothèque pour acheter des bouquins pour qu'ils s'entraînent beaucoup plus vite. Tac, qu'est-ce que je peux. Si je voulais faire. Des salles de sport. Ils sont deux à attaquer si j'avais bien lu. Mais bande de cons, vous êtes hors de portée et tout ce que vous trouvez à faire avec vos mitrailleuses, c'est de venir au corps à corps. Sérieusement. Avoir pas mal de stock de green, donc on peut enchaîner les combats. Quoi, j'ai pas sélectionné tout le monde. Espérons qu'il ne crève pas trop vite. Que j'aurais dû ralentir le temps. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Alors, ouh, toi, t'as pas de vie. Allez, un petit donut Kratos. Alors ici, est-ce qu'on... Je pense pas.
froid, ils sont... Et ben voilà. Quand on sélectionne un et que tu lui dis, au fait, t'es censé être à distance. Tout se passe beaucoup mieux. Quand on lui dit, au fait, t'as une mitrailleuse dans les mains, ça te dirait pas de l'utiliser? Plutôt que d'aller te mettre au corps à corps pour te faire buter. Bon allez, ici on pourrait... Ici ça nous donnerait ça, ouais. Je pense qu'on va... On va dire de revenir en arrière là-bas. Alors... seul qui tank et tous les autres qui combattent, ça me va. Toi, oh. Non, alors du coup, je me suis laissé emporter par la première mission. Non, pas toi. Tu produis déjà bien assez vite. Non, c'est bon, il n'y a plus rien d'autre. Celle devant. Non, en fait, Kenny, c'est juste pour le bien de la communauté, il faut que tu me débarrasses de ce violet. Personne n'en produit ici, personne n'en consomme tant qu'il y aura du brown. Voilà, t'as libéré tout un étage, tu te rends compte? Après, à espérer que ce soit pas commencé à être pris par le green, quoique ça a l'air d'être le cas. Il y en a un qui est mort. Est-ce que vous avez besoin de vous soigner? Non. Du coup, attaquer ici. Et là, on a besoin de un producteur et un vendeur de plus. Pour produire plus de blanc. Quelqu'un qui vend vraiment en priorité du blanc. Et voilà. Simplement, rien de plus. Il est là, je savais que ce gars nous ferait des problèmes depuis le début. On dirait qu'il va continuer à nous envoyer ses robots jusqu'à ce qu'on le gère de cette zone. Et je m'en fous. Je vais me le faire. Occupe-toi juste du tupo. Ok. Bah voilà, je me suis occupé du bleu. J'ai l'impression que ça suffira. J'espère, on va dire. Toi t'as quoi? Toi t'es le seul au corps à corps, donc tu vas là. Ici.
on peut même le mettre à jour, enfin l'augmenter. Et on demande à deux vendeurs de se mettre là. Ici comme point de vente c'est pas mal on a dit. Ici. Ah ici pour de la prod c'est pas ouf. Ça, tu viens. Et vous êtes tous presque full life. Si on réussit à gerter le bleu encore une fois, je pense que ça sera bon. Suivant le dialogue que vous tiennent d'avoir. Ah. Mais apparemment, il va y avoir du monde. Là. Oh, il y en a un qui peut avoir un taser, ça c'est très intéressant. Ouais, mais le pistolet là c'est pas très très intéressant parce que ils sont pas très loin quoi. Ça c'est eux et moi j'arrive juste après, d'accord. Donc eux vont devoir se faire deux débuts de combat avant que ma vraie armée arrive. Voilà, un petit coup. Alors ouais, donc toi tu peux te soigner. Pour ce genre de cas que j'ai besoin de garder les donuts. Alors, on va garder tous full life tant que possible. Ça le fait, mais juste à ce moment-là, les autres arrivent. Alors toi, tu sélectionnes, tu vas là. Est-ce que les autres vous en sortez? Toi, tu t'en sors pas. Voilà, le reste, ça te va à peu près. Je te sélectionne, tu te mets juste là. Allez, t'es une mitrailleuse. Ok, ça m'a l'air bon. C'est non plus où il faut aller. Le closing store, c'est pas là, c'est là. Ouais. Sûr, il est très mal dit d'ailleurs. Il est plutôt dit comme fermé au lieu de comme. Au lieu de dire. Vêtements. Là j'en vois que ceux qui sont vraiment full life. Vous venez là. Si je pourrais envoyer un autre gars. Il y a 3 sur 5. Qui sont blessés. Mais lui il fait quoi? Il me pique des trucs ou... Ah, au secours.
tous là. J'aurais dû faire en deux groupes, mais je pouvais pas. Quoique, il y en a que deux. J'aurais peut-être pu. M'en sortir en embauchant trois personnes. Ok, ça a l'air d'aller en fait. On va attaquer le magasin. On attaque le magasin, c'est le bon moment, je pense. On sait pas de baseball. Pas beaucoup de monde qui est censé être au corps à corps, donc j'ai oublié les pieds sur attaquer. Non, je les ai pas sélectionnés tous les deux, donc c'est pas grave, c'est pas très grave. Sorte de vendre plus parce que là le j'ai deux vendeurs là-bas et aucune production, enfin les productions sont à l'autre bout du monde. Ah punaise, vous m'avez encore eu, pour l'amour de, je vais juste devoir me cacher à partir de maintenant. Je vais me cacher, mais très bien, vous verrez. Pourquoi tu nous impressionnerais pas en nous disant où? Dans mon magasin secret, c'est là que je vais. Je sais même pas où c'est un sens secret. Et vous le trouverez jamais. Ouais, n'importe. Ton pantalon est à l'envers. Il va là. Évidemment. Ouais, on a pris le magasin de vêtements. Ouais, ils ont quelques casques ici et là et d'autres trucs cool. Et regarde, deux box d'Adidas. C'est les tout nouveaux modèles. Et cool, le dealer. Vont les aimer. Ah oui, Adidas. Je viens de tilter, j'ai pris longtemps. Excusez-moi. Donc on a dit que nos dealers allaient kiffer, mais pas ceux-là parce que... parce qu'ils sont loin. Tout simplement. Alors, on a dit, toi t'as ça. T'as une quoi ? De quoi? Non, mais si en fait il y a des bottes pour tous les vendeurs, pour le moment en tout cas. Donc on leur donne à tous. On ne se pose pas de questions. Il y a des vrais casques aussi. Il me semble que les casques sont meilleurs en défense que les gilets. Je ne sais plus. 20 de vie, 11 de vie. Ah bah non. Ah bah pas du tout. Par contre, ce sont mieux que ceux-là qui rajoutent que 4 PV. Pendant qu'on y est, toi non, toi en priorité, améliore un petit peu ta productivité. Ok.
si les soldats vous veniez continuer à vous entraîner, vous en dites quoi? C'est mieux ici, non? J'en ai même un deuxième lit médical. Ah bah. Il y a bleu qui vient quand même. Qui vient se joindre à la fête. Ouais, je pense que je peux vendre ça. C'est parfait. Ok, j'ai l'impression que tous ceux qui s'entraînent, c'est ceux qui ont des mitrailleuses. Mais de toute façon, l'entraînement m'a pas l'air très efficace quand ils ont des armes à feu. Là, on défend ici, de toute façon. De green, le nombre de mes points de vente. Voilà, alors on reprend tout le monde. Ceux qui ont plus besoin de s'entraîner, en fait, c'est ceux qui n'ont pas d'armes à feu, je pense. Reprends le Ligan là-bas. C'est pas l'endroit qui m'est le plus intéressant pour moi. Qui est le plus intéressant pour moi? Ah, comment vous avez trouvé mon... Où se trouve mon magasin secret? Je t'ai dit qu'on allait t'avoir... Qu'on allait te... dégommer. Oh, c'est terrible. Et comment vous allez le faire exactement? Je sais pas encore. Tu peux déjà commander ta tombe. Ou ton coffin, coffin, non, ça aurait été coffin en anglais, j'ai oublié le nom. Et pourquoi je dois en commander un? J'en ai déjà un gratuitement. J'ai mon propre pack King gardé. C'est l'esprit. Regarde les pics, on arrive vite. Regarde la palissade, on arrive vite. J'y vais. Mais dégage de là, idiot. Alors juste, est-ce qu'il y en a qui sont trop blessés? Je définis trop blessé en n'étant pas vert fluo, vu que... j'arrête pas de dire. J'ai quelques greens d'avance. Je peux être généreux. Waouh, tant de brown. Et de pattes. Bye pattes, les gars. C'est mon tas. Je m'en ferai pas à ta place.
Il y a très peu de chances que t'en aies encore besoin une fois dans ta vie. Donc toi tu peux venir là. Toi tu peux venir là. En fait, tout simplement, tout le monde vient à la gym. J'ai pas envie de la perdre, la gym. En plus, c'est cool d'y envoyer les soldats. C'est à peu près le seul endroit où ils sont plus ou moins censés être. Ça se passe, on a 4 véhicules sur 5. Ici on a toujours rien. Là on envoie du vert et du brown. On va s'acheter un autre véhicule. Ici on produit plus suffisamment. Mais on avait dit qu'on prendrait cet endroit là pour ça. Et donc pour ça, tout simplement, vendre tout ça. Ah mince. Ils sont tous morts. Oups. Mais oui, mais oui. Et ça sauvegarde au mauvais moment. J'ai oublié que c'était de la défense et qu'ils étaient stupides à ce point-là. On va faire le... mettre le canapé ici en fait. Non, c'est pas ça que je voulais. Tant pis, on revend. Ce que je voulais, c'était de la production électrique améliorée. Parce que ici, je veux produire. Ici, on va mettre ça. Canapé ici, un autre là, et je pense qu'ici il va falloir plus d'électricité effectivement. Non, bon tant pis. Papa. Et voilà, 1, 2, 3, 4 encore. Ici ça va être notre endroit de prod. On pourra rajouter ça là. On va améliorer. Non, améliorer. Oh, ici on s'en fout. Non, on s'en fout, on s'en fout.
Bien comme vous l'avez peut-être entendu derrière moi, le chat s'affole. Elle a faim. Même si c'est pas totalement son âme, quoique. Ça commence à être l'heure. Nous, on va s'arrêter là. On a déjà bien avancé, je pense. Il nous reste pas mal à faire dans la mission. Logiquement, il y a un petit peu, pas énorme. Mais il reste un petit peu de temps, un petit peu de choses à faire. J'espère que l'épisode vous aura plu, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite.